suite de l'aventure The Forest, épisode 23. Est-ce que... Oh là là, je meurs. Merde, attends, oh là, je suis désorienté. Ah oui, je suis dans la cabane basse, pas la haute. Je vais peut-être pas faire passer la nuit. La mettre là ma tour. Comme j'ai déverrouillé le plan de la tour. Attends voir. C'est vraiment sympa le concept des plans bonus. Récompense. J'étais un lapinou. Serait-il suffisamment stupide pour marcher dans le feu? C'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, faux départ. Oh, je sens que je vais me le faire, ce lapinou. Faire au katana. Ah non, il s'est barré. Merde. Il a réussi à passer le petit con. Je vois. Merde, c'est déjà l'aube. Oh la vache, ça va vite. Bon, allez, tant pis. Je vais faire la viande. Ah mais j'ai de la viande sur moi et oh. Et puis pas de la merde. Oula, j'ai. Ah oui, j'ai du poisson aussi. Ah bah comme c'est l'aube, je vais peut-être pas faire la tour tout de suite. Je vais peut-être reprendre mon embarcation au loin. Et puis essayer de continuer mon tour de l'île. Oh, bah alors, c'était déjà faisandé la viande? Déconne pas. Là, mon bide est quasiment plein. Je vais prendre un petit champignon en sortant et puis. Je m'en moque. Oui, bah je vais filer rejoindre mon embarcation. Je vais courir dans la rivière. Et je cours comme un patapouf. Jour et nuit sans jouer et je cours. Je l'avais mis où mon embarcation? Je sais plus du tout. Où est-ce que j'avais accosté? C'est le faillon que je vois qui correspond à ma péniche? Ah, j'étais de l'autre côté. Oui, non, c'est pas le bon plan d'eau. Oh là là, je me serais planté de... Et oui, elle est là, ma péniche. Non, le faillon correspond au chariot de bois que j'ai laissé sur l'autre plage. Bordel. D'ailleurs, me rincer va me faire du bien. J'ai des cracras. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, j'adore! La beauté graphique de The Forest. Et encore, j'ai les options minimales. Je me referai une partie avec joie dans quelques années avec un surpuissant. Peut-être avec le Ray Tracing. Je pense que ce sera à pleurer de la beauté de...
Je regarde un peu plus le ciel parce que finalement ce fond marin-là est pas intéressant. C'est un tapis de sable. Un banc de sable, comme on dit. De rocher qui va empêcher de passer. Non, au récif, non, au récif. C'est de la manifestation. C'était quoi la... Ah oui, la chanson. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de... La marine en est fière, Captain Nemo. Oh, oh. Y a quoi d'autre? Ah, dans le même genre, il y a la vahinée qui se déshabille, tout le monde qui la mate là. C'est quoi la chanson? Je sais plus. C'est une chanson de. Oh, le trou de mémoire. C'est pas Laurent Voulzy. Oh, quel autre trou de mémoire. Je ne sais plus. Bambou. Ah non, c'est encore autre chose, bambou. Oh là là. Ta ti ta ta ti ta ta bambou. C'est Alain Chamfort, je crois, mon bout. Et encore, je ne mettrai pas ma main à couper. Non, l'autre chanson, mince. Ah non, c'est un décor de fond, la joie, la montagne. On voit le fond de la mer, là, c'est le bord de la carte. À mon avis, je vais me taper un mur invisible. Bizarre, si apparemment je peux y aller. Ah, ça y est, je suis bloqué. Quoi? Pourquoi il me sort une photo? Ah, c'est le remords de se dire je peux pas me barrer, il faut que je retrouve mon gosse. Non? Ah, pourquoi je progresse à nouveau? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Le Lille. Ah oui, on voit que c'est pas modélisé là. C'est bizarre, pourquoi je peux pas aller là, je devrais avoir le droit d'accoster normalement. Attends. Il y a un truc qui est trop bizarre. Je peux sauter dans le...
Voilà, je peux accoster. Non? Non, c'est juste trop bizarre. Mais on dirait que c'est pas fait pour. Attends, c'est quoi ce délire? C'est trop bizarre. C'est quand même pas mes données de jeu qui sont corrompues, non? Ça me rappelle Test Drive Unlimited où à un moment la... le décor avait moins en moins de détails, comme là, et la route s'ouvrait dans le vide, et puis mon véhicule tombait à l'infini. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais une poussière sur mon DVD à l'installation. J'avais une corruption de données dans les fichiers du jeu. Et j'avais dû réinstaller proprement le jeu pour que la route soit pas... Ah non, je me fais expulser. Ah merde! Non mais j'ai pas le droit d'y aller. Je suis repoussé. Non mais t'as pas le droit de faire le tour de l'île et voir l'arrière de la montagne. Que visiblement il y a des installations. C'est bizarre. Ça défie la logique, mais bon. Bon bah retour au bercail. Hein. Faire le tour. Bah non, ça sert à rien. Je pense que je vais te bloquer pareil de l'autre côté. Mais attends, là je suis du sur place. Là c'est impossible. Je suis obligé d'y aller reculant, c'est ridicule. Je suis pas demandé à quoi sert mon radeau. Qu'est-ce que je fais? J'accoste là et je rentre en passant par la montagne. Moi je saurais retrouver mon embarcation. Ouais voilà, elle est sur la plage et puis. Si un jour je veux la retrouver, je reviendrai ici. De toute façon j'ai ma tenue pour aller dans la montagne, ouais voilà, j'ai ma combi chaude. C'est trop bizarre. Il y a peut-être une entrée de grotte. Oui, je suis essoufflé là, c'est autre chose. C'est beau. Qu'est-ce que je me croque? Oh, je vais pas prendre encore de la... qui fait du bien. Est-ce que j'ai mis les raquettes? Je crois pas. Hein. Équipé, voilà. Ouais, c'est bien, j'ai mes raquettes. C'est quoi ça? Ah non, c'est la neige. Non, c'est pas une autre grotte? Non. Je sais pas, c'est bizarre. J'espère que je fais pas une connerie en allant sur le rebord. C'est là où je vais me tuer comme un caca. Et la récompense, un chemin interdit. Ah, une grotte, non.
Vive l'alpiniste avec un katana en main. C'est du jamais vu. Oula, c'est. Oh là là, c'est casse-gueule. Bon, ça va, je me suis pas fait mal. Mais à mon avis, non, j'étais parti pour aller nulle part. À mon avis, c'était pas prévu. Cette formation rocheuse est bizarre. On peut pas croire qu'il y a une entrée de grotte. Oui, c'est rigolo ici. La neige a commencé à fondre. C'est intéressant. Pas si loin de mon camp que ça. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi que j'ai vu courir mes pieds? J'ai vu un truc marron, c'était un écureuil. Voilà, j'ai une biche. Et c'était sûrement celui-là. C'est sûr qu'un lapin blanc sur de la neige, tu flippes un petit peu. En fait, je suis simplement en amont de l'installation. Ah, le lapin blanc, c'est trop drôle. C'est pas comme si on était lundi de Pâques. Bon, j'enregistre la vidéo. Y a rien. Oh, on voit un arbre. Bah, s'il y a un arbre, ça veut dire qu'on peut atteindre cette zone, je me trompe. Ça m'intrigue. Ah, j'avais dit qu'il fallait que je trouve du matériel d'alpinisme. C'est vrai, ça. Je sais pas si je peux grimper... Attends, il y a quelque chose. Attends, il y a une zone à débloquer là, c'est pas possible. Ce serait derrière ce rocher? Ah non. Bah merde alors. C'est quoi le délire? Ah non, je peux pas escalader ça. Là, est-ce que je peux forcer le... Je peux pas. Non, là, je suis en train de m'épuiser. Ah là 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 là. Merde. Bah alors. Oh merde. Ah. Aurais-je trouvé le chemin de grès? Putain, il y a de ces trucs. La nuit va tomber, je vais être dans la merde. Attends. J'ai pas accédé au plateau là. Ah ah. Ah, il y a un mur invisible. Sans déconner. La montagne est difforme. Hop. Oula, doucement. Oulala. Ouais, c'est comme ça qu'on saute, mais... Ouais, joli. J'ai réussi mon saut.
c'est trop bizarre. Ah oui. Je suis dans la fameuse zone que je voulais. Tranche jaune que je voulais exploiter. Il y a un caillou. Où ça mène, dans un plateau. Je sais pas, c'est super bizarre. Là, je pense pas que je puisse escalader. Ah, quoique. Si, je... Oh, si, un vrai ninja, le mec. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire. Oula, voyage au pied des textures. C'est là où je vais trouver le moyen de faire bugger le jeu. J'arrive à sauter comme un cabri. Attends, ma base elle est où? Elle est là-bas. Ouais d'accord, je suis sur les rochers après. C'est quoi ça? Non, c'est le bord de... Oh putain, j'ai pas intérêt à tomber. C'est le bord de la falaise et puis c'est tout quoi. Non, mais là je peux pas monter là, c'est pas possible. Là. Rocket jump, méthode de speedrunner. De toute façon, il y a quoi là-haut? Non, il y a qu'une succession de rochers, ça sert à rien. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ah, c'est là qu'il me faudrait le deltaplane. Ah, ça vaut le coup. Là, il y a rien, on est d'accord? Non, il y a rien. Bon, allez, je vais vite rentrer avant que la nuit tombe, parce que sinon je vais me retrouver dans la merde. Bizarre. À moins que... Non, je vais pas avoir les tuyaux de monter jusque là, si. Non, mais c'est impossible. Ouais, non. Laisse tomber, va. C'est complètement dingue. Allez, je vais rentrer dans mon demeure. Allez, Zou, il va faire nuit. Je vais faire le projet de la tour et de la catapulte, à mon avis. Descends tout doucement en raquette. Doucement! Oula! Oh, il y a un bon repas qui m'attend à ma base. Je ne m'en fais pas. Les lapins blancs, ils sont trop mignons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un lac gelé. J'avais oublié qu'il y avait un lac gelé. Je vais me manger une petite myrtille, ça va me doper. Deux pages à la myrtille. Ouais, c'est bien, je vois ma base. Là, je vais retirer mes raquettes là, je vais pas courir dans l'herbe avec les raquettes tirées. Je pourrais peut-être passer par là. Non, je vais me casser la gueule là. Dommage. Je crois que j'avais laissé la porte ouverte. Enfin, déverrouillée du moins. Exact. Oui, j'ai de la bouffe qui m'attend normalement. Oui. Bon, bah je vais faire passer la nuit. Putain, on voit mon éclairage sur la colline opposée au loin. Ça fait trop flipper. Trop bien. Oui. Faisons passer la nuit.
Et laisse-moi manger. Ah. Laissez-moi manger un morceau. Le morceau, il a pas beau. Ah, il mange son briquet, quelle horreur. Cet homme est fou, il mange son briquet. Des peaux de lapin, des peaux de cerf. Oh là là, faut que j'en range. J'ai des emplacements libres, je crois. Non, non, pas ici. Ah, ici c'est mieux. Alors attends. Non, peaux de... ouais, peaux de... surtout les peaux de cerf. Les peaux de cerf sont plus rares. Puis peaux de lapin. Je voulais, oui, je voulais faire la tour. Alors, observons de combien de matos on a besoin pour faire la tour. Ah bah oui, je vais faire la récolte aussi. 25 myrtilles. Tant que je profite de mon potager. Enfin, si j'y parviens. Si. Oui, je veux bien déposer, oui. Ah oui, j'en ai beaucoup. Et autant... dans les sommets. Impossible de... oh merde. Katana. Alors, le projet bonus de la tour. Ah, alors le détail plein, je le ferai plus tard. Je vais d'abord faire la tour. Attends. Hein? Mais c'est improbable. Et c'est un gabarit monstrueux. Comment veux-tu que je réalise une chose pareille? Merde, attends. Attends. Ouh là là. C'est énorme comme, comme édifice. Moi je veux bien essayer de faire une tour, mais là la taille du truc. Attends. Mais vous êtes sérieux? C'est un projet immense. J'ai pas de terrain assez grand pour construire la tour. Je comprends pas. Ah si, il m'a proposé à un moment donné. Oui, mais elle est pas droite la tour. Attends, je veux bien essayer, mais 300 rondins. Vous êtes malade. Il faut 316 rondins. C'est complètement dément. C'est de la folie. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Attends, j'ai pas lu 300, j'ai lu 30. En 300, sérieux? La taille de l'édifice, toi, c'est un truc de ma boule. Bon, bah... je suis pas convaincu, mais allons-y. 300 rondes, hein. Comment je vais faire? Tiens, je vais essayer cette hache rouillée, ça me changera. Oui, j'ai besoin de musique là, je vais pas m'en remettre. C'est-à-dire que j'ai toujours pas trouvé d'autres cassettes.
bah, Deltaplane, ce sera dans une autre vidéo. Je reste sans voix. 300 ondes dans ça. Oui, à un moment j'aurai un bug parce que je vais avoir une arme qui me poussera dedans la tour. Ça va être chiant ça. Dans le prochain plan, on va me demander de fonder une cathédrale avec 1500 pierres. C'est la tour de Pise, hein. La tour de Pise, c'est la vache, l'inclinaison du bordel. C'est la base, c'est l'ingénierie qui veut ça. Pose-moi une question à ce niveau. Laisse tomber, j'ai perdu deux rondins. C'est pas grave, je suis pas deux rondins après. C'est pas comme si j'en avais 300. Ah bah, je vois que j'ai les barons peut-être.
quoi. Si dans cet épisode j'arrive à en poser une première centaine, je serais content. N'importe quoi. J'avais eu 30 quoi à la base, pas 300. Ah, je suis choqué. J'arrive pas à m'en remettre. Quand tu vois la taille de l'édifice, donc. Je vais être fier comme Artaban quand je serai à son sommet. Ce projet de ma boule. Oui, il manque encore. 265 rondins. J'en ai déjà posé donc 36. Sur le chantier directement. C'est mieux que la livraison par drone d'Amazon.
bazar. Pour aller plus vite à Manu, je pourrais plus passer avec le chariot ici. Ou alors, il faudrait que je contourne par le haut et que je redescende dans ce bordel. Quoi, comment que la bûche est en lévitation ici? C'est n'importe quoi. Toutes les bûches que j'ai découpées, je les mets sur l'édifice et putain, les ombres portées font flipper. On dirait un message codé. D'un seul coup. Non, je pense que je vais reprendre la péniche la prochaine journée, tant pis, et puis je vais repartir dans l'autre sens. Surtout si c'est pour découvrir une grotte immergée bonus, là, avec des plans bonus. Je suis motivé du coup de découvrir ces plans secrets parce que c'est trop flippant. Je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que c'est une récompense vachement sympa. Et ce qui me fait rager, j'ai exploré pas mal de grottes. J'ai toujours pas trouvé de matos d'alpinisme. Bon, j'ai trouvé le contraire, si je puis dire, la plongée. Et j'ai pas trouvé de cassette. Hein. Sur les 5, j'en ai que 2. J'aimerais tellement varier ma musique dans le jeu. À la fin, quand ce sera... Oh là là, quand ce sera Baptiste, ce sera un truc de fou. Faut surtout pas se décourager. Allez, faut se convaincre que Paris n'a pas été fermé un jour. Ça me fera ici une base de départ pour décoller quand j'aurai le deltaplane. Ça me fait bien marrer. Ça manque cruellement d'énergie. Oh. Non, hop, hop, allez, je prends les derniers.
rondin. Allez. Et deux derniers rondins qui sont en bas. Hop là. Le rondin il est où? Merde, je le vois même plus. Ah. Ah, il est là. Oh là là. Bon. Score très érotique de 69 sur 316. J'en suis qu'à un quart en fait. Putain. Alors que je recharge 4 fois la partie pour avoir les arbres. Oh là là, le truc qui rend fou. Voilà, j'ai le bide qui crie famine là, ça va plus. Je tape dans les réserves. Et bah je vais prendre le 4 de la merde, j'ai débrouillé mon... Et le feu va pas tenir longtemps comme il flotte. Génial. Un seul morceau de viande m'aura suffi à m'assasier. Je demande mon peuple. Ce projet de ma boule, toi. Toujours pas fait de canapé. Oh, l'aloe vera qui a poussé, trop bien. Ça y est, il fait nuit noire. Attends, je sauvegarde la partie. Ouais, allez, je vais aller prendre la péniche et puis je vais aller me barrer. Faire les côtes dans le sens inverse. Ce qui est chiant, c'est qu'il pleut toujours autant, mais bon. Mince, pardon, j'ai eu un sursaut désagréable là. Ah bah, mon feu est toujours allumé. Ah, j'ai parlé trop vite. Ah bah, la pluie a passé. Ah bah, ça y est, je peux manger mon. Oh, nickel! Je vais re-ranger ma bouffe là. Oh oui. Alors, j'avais laissé ma péniche à l'opposé. Merde, il y a un con qui est mort dans le piège. Je crois qu'il l'a déclenché. Ah bah, j'ai trouvé le coupable. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est des matinaux, hein, les trous du cul. Qu'est-ce qu'ils m'ont encore fait? Une petite jogging matinale. C'est ça qu'il faut pour garder la santé. Ah oui, la bouffe va te gonfler. Et pourquoi pas, tu vois. C'est pas idiot. Ah. 231 rondins.
c'est des maboules. Jette maboule. Oh merde. Je vais arrêter de courir, je vois une monstruosité en amont. Encore un petit peu de boue. Chibidibidibou. Lagadou de lagadou. Tiens. Alors, déjà, il y a aussi de la souci sous-marine. Le truc improbable. Et en plus, c'est des balises. Comment veux-tu que je les... pas les récupérer, c'est possible. Ah oui, la chicorée. C'est vrai. En faute également. Oh. Aloe vera. Béni soit cette plante. Aussi de prendre plus de chicorée. Ah merde. Je les ai toutes mes myrtilles. Ouais, je les ai toutes. Ça complète mon petit déjeuner. Ça y est. Il y a des soucis, je peux pas en prendre plus. D'ailleurs, c'était pas souci. Là, c'était du pissenlit. Du pissenlit. Du merde. Du. Coquelicot. Là c'est bon, on voit les valises. Oh putain, il m'a fait peur lui. Tu sors d'où toi? Ah, de l'aloe vera. Mais d'où il est sorti le mec? Attends, il y avait une entrée de grotte ou je me suis trompé? Mais d'où est-ce qu'il est apparu? Là, j'ai pas compris, là. Ah! Non, c'est pas une entrée de grotte. Ou alors, il a fait le tour, par au-dessus. Bon, bah, je reprends ma péniche, mais... Putain, c'était trop bizarre. Non, il y avait une entrée de grotte en contrebas. Ah non, c'est pas une entrée de... Là, non plus. Bah écoute, j'ai pas compris. Mais oui, d'où il sort? Ou alors il patrouille et il venait du dessus? C'est trop bizarre. Ouais, trop bizarre. Bon allez, je me barre dans ma péniche, moi j'ai un voyage en mer qui m'attend. Ah là 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 là. Joli, ce sont magnifiques. Ce sont félins.
C'est parti. Hop, le tour de l'île mais dans l'autre sens. Non, malheureusement là ce sera moins beau. Parce que je suis pas du côté où on voit la rive. Non, pause. Par contre je veux bien remettre l'ancienne musique. Ouais, ce serait sympa. Allô, il appelle à l'aide. Trop drôle. Vous ne pouvez pas me choper, je suis sur les flots. Elle est bien bonne celle-là. Attends, c'est mon imagination ou on dirait qu'il y a un truc au fond de l'eau. Attends, ça vaut le coup que je plonge ou on dirait qu'il y a un truc qui a glissé. Attends, s'il n'y a pas de requin, je veux bien aller voir. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça se ramasse. Ah, c'est une massue. Ah, c'est la massue d'un sauvage qui a glissé au fond de l'eau. Eh ben, ça valait le coup d'œil. Merde, il est resté. Il faut aller à tribord. À tribord tout. Oh merde, un requin. Heureusement que j'avais pas ça lorsque j'ai plongé. Dans le conteneur rouge, la main intrigue. J'ai pas souvenir que je l'avais repéré la première fois. Bizarre. Attends, je vais jeter un coup d'œil, y'a pas de requin. Des tortues. Ah oui, là, il n'y a qu'une porte ouverte, c'est trop bizarre. Non, il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Thank you.
Oui, c'est la fameuse grotte que j'avais trouvée, ouais, avec les points bonus, c'est celle-là. Alors, je m'arrête pour être sûr, mais... Oui, bah oui, face au... Ouais, c'était celle-là. Donc apparemment, il y en aurait une autre ailleurs. On va la trouver. Voilà. Merde, il fait déjà... Mais non, et oh. Non, en pleine journée, il faut que ça arrête. Eh oui, j'y suis déjà allé. Ouais, j'ai déjà fait sauter le... Schmelblek. Oula. Youhou. C'est quoi ça? Ah, c'est moi qui avais fait un feu. Ah bah tiens. Ah bah non, j'ai rien à faire que... Ah oui, ça c'est le banc de... jaune ou pas. Oui, je m'étais dit, putain, il est loin, il est de la côte. Ah, il y a le requin qui est juste là, très drôle. Je me demande si je peux pas buter le requin. Bah si, je l'ai déjà fait. L'arc et les flèches. Joli. Il a pas aimé la piqûre. Ah bah il est mort. Tiens. Attends, je vérifie dans le dit container. Ah si, il y a un truc. Ah non. Non, non, c'est un jeu de lumière à la con. Un jeu de lumière d'ailleurs qui est pas logique. Mais bon. Bien joué. Yeah. Allez, on continue sans musique. Le calme a du bon aussi. Finalement, au lieu de surveiller les côtes, là, je suis en train de regarder au large.
Un requin. Tiens, y a quoi? Il y a le morceau d'une encre, ouais. Et une encre qui est vachement rouillée. On dirait qu'il y a quelque chose qui se dessine. Non. Il va pas tarder à faire nuit. Ah non, c'est rien. Je m'attrapais. Et bah je vais me rediriger vers le yacht. Je vais passer la nuit dans le yacht. Surtout qu'il faudra qu'au petit matin je bouffe quelque chose. C'est vrai que la phase là, je dois reconnaître qu'on a connu plus passionnant. Hein. J'ai joué à Robin Crusoe Simulator. Oh my dieu. Le yacht doit être quelque part par là-bas. Il est carrément accosté. Je m'y fais toujours pas. Il vous faut encore récolter 231 rondins. Bon. Ah non, j'ai merdé. Voilà, je vois ma péniche à travers le. Ça fait trop flipper. Alors attends. Ah oui, mais attends, c'est pas nuit. Noir encore. J'attends qu'il y ait une nuit noire, c'est bon? Ouais, c'est bon, allez, je peux zapper. Zappons. Oui, bah tant qu'à faire, je vais sauvegarder. C'est compris dans le prix. Alors. Je me fais pas suer, je vais directement. En fait, je vais pas aller accoster, aller sur la plage et faire un feu machin. Je vais directement remonter dans mon embarcation et faire la suite de mon tour. Ah, attends, est-ce qu'il manque pas des corps par hasard? Ah non, j'en ai 4, j'ai la totale, je me laisse tomber. Ah merde alors! Oh, je crois que je pouvais sauter dans le. Non, je peux pas. Ah, je suis déçu.
Allez, suite. Merde. Je suis encore trop proche du yacht. Allez, t'es mort toute. Il nous reste tant de choses à découvrir. Je suis en train de me dire stratégiquement mon chariot qui est repéré avec un fanion au loin. Il faudrait que je le décale sur la plage du parce qu'en repère ça m'aiderait énormément. Oh, il y a plein de poissons. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, allez, on continue là. La promenade aquatique. On est dans l'air. Là, je sais même pas si je vais pouvoir passer. J'ai l'impression que c'est la fin de la carte. Oui, c'est l'océan qui est très calme là. Alors, je rappelle que c'est une île canadienne. Nous sommes sur les eaux continentales du Canada. Sur cette plage, je vais massacrer au katana parce que ça me fera de la viande. Voilà. Ah, j'avais déjà pris une carapace. Là, je crois qu'il y a une corde dans le canon. Je ne me trompe pas. Il n'y a rien d'autre. C'est rigolo les étoiles de mer. C'est parti du décor. Tu peux pas interagir avec. Cette plage me perturbe. Je me demande s'il n'y a pas une entrée de grotte là aussi, planquée quelque part. Là, il y a pas mal de rochers. Ouais. Bizarre.
poursuivons notre périple. Attends, on continue davantage. Non. Ah, ah, on devait entrer de grotte là aussi. On peut pas l'atteindre, c'est pas possible. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je peux pas monter là. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est quoi? C'est rien. Le banc de sable est magnifique. On est d'accord, je peux pas escalader. Encore que, ça a pas l'air naturel. C'était une illusion d'optique. C'est pas une grotte. Croquer de la myrtille. De la carte, c'est rigolo. Oula. Doucement. Parce que là, je suis vraiment dans 10 cm d'eau, là. Encore un îlot qui est particulier. Ah, une note. Tortue, c'est tout. Attends, je vais regarder. Bah tiens, tant que je la bute. Merde! Bah alors. Bah! Oh mon dieu, c'est la destinée divine! C'est la tortue sacrée, on ne peut la tuer. Je sais pas pourquoi. C'est complètement craqué. Enfin bon. L'îlot d'à côté, à mon avis, encore moins. Plein de choses intéressantes à dévoiler. Puisqu'il est encore plus petit. Ouais, après, il y a une succession de... C'est bizarre. Il n'y a rien de significatif. Ah si, là il y a un truc. Attends voir, je crois que j'ai trouvé la deuxième grotte bonus. Oh, ça va me plaire, je le sens. Il faut que je regagne la péniche. C'est troublant.
C'est vrai que le jouet il manque plus qu'une jambe, hein, et j'ai joué du gosse. Ah ah, suspense! Ah oui, j'aurais avancé un peu plus, j'aurais été attiré par la masse au fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le plaisir de découvrir une grotte bonus. C'est parti mon kiki! Et là, je suis aspiré dans le néant. Non, je rigole, mais... pas tes mains devant, Nunuche, je vois pas où je vais. Ah non, mais là je descends dans les ténèbres. Faut que je fasse vite parce que j'ai plus d'oxygène là. Alors, musique, je vous prie. Et lampe torche. Alors, normalement, ce genre de grotte bonus, il n'est pas censé y avoir de monstre. J'ai dit, il n'est pas censé. C'est tellement dingue que déjà je vais poser un... Je vais poser une... Est-ce que je peux remplacer mes bouteilles? Ah oui, je peux. Ok. Ok, je vais rechercher sur le yacht plus tard des réserves de d'oxygène parce que là. Attends, la grotte suivante, c'est celle-là? Vous êtes sérieux? C'est le rond de Jules Verne. Quoi? Une barque? Qu'est-ce qu'une barque? What? Ok, une malle. Il y a des bébés tortues. Oui, d'accord, c'est un toboggan à bébés tortues là ou que... C'est quoi ce délire? C'est... Merde! C'est un...
Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ah, ce sont des carreaux d'arbalète. Ah, mais non. La tenue, je m'en fous. Encore que... C'est quoi? Il a trouvé une nouvelle tenue. Mais c'est quoi la tenue? Ouais, pull, capuche, jean, camouflage. Peignoir de bain et pantalon de peignoir. Ok. Et du coup, ce que j'ai trouvé, ça correspond à quoi? Oh, ce bruit d'eau, stalactite m'a supporté. Attends, de la note. Mais d'accord. Transport de grume. Quoi? En fait, il me manque encore une page. Je pensais avoir les deux autres, mais non. Donc la première. Transport de grume. Comment ça marche? Ah, c'est un pont surélevé en fait le truc. Ok. Ok, ok, ok. Et j'aime pas vraiment qu'il y a là. Pour le coup, j'ai pas volé. Bien d'accord, je ne prends rien d'autre. C'est juste trop bizarre. J'avais fouillé, il n'y avait rien d'autre. Ah, il fait encore jour apparemment. Ah... Attends. Donc il y aura une troisième grotte encore à faire pour un dernier plan. Putain, mais c'est la folie ce truc. Du coup j'hésite, qu'est-ce que je fais? Je continue. Est-ce que je suis intéressé de sauvegarder au yacht, moi?
parce qu'à partir d'ici, si je me barre pour aller au Yo, c'est... C'est balèze, quoi. Je peux pas faire un truc de fortune. Ouais, un abri temporaire, je dois avoir ce qu'il faut, non? Non, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je suis dans la merde. Attends, je vais me déséquiper de la... Et à la place, je vais mettre la combinaison de... je vais arrêter la lampe aussi. Attends, je reviens de sauvegarder au yacht. Allez, grouille. Ouais, je vais aller me barrer au yacht, mais... est-ce que je serais pas plus proche de mon... Ouais, finalement, je suis peut-être plus proche de mon... De mon habitation que... Oh là là, c'est la galère. Je prends un truc énergétique, ouais, ça va me doper. Aïe 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 aïe. Allez, bouge, c'est la panique, je sais pas dans quoi je suis. Ah oui, tu parles des filles du noir maintenant. Ouais, c'était sûr. La chicorée, j'en ai déjà. Je peux encore utiliser la lampe torche. Oh la galère. Flotte. Comment et pourquoi je ne sais pas. J'ai encore fait un choix de merde. Je me retrouve dans la mouise. Non, dommage. Ah bah oui, forcément, je me suis fait repérer. C'était obligé, je me suis fait repérer. Ils vont vouloir se venger, ils vont vouloir me défoncer. Ah là, il y a déjà un sadique qui rigole. Je me suis fait repérer, défoncer, je veux... faire des boîtes, je vais savourer ma nuitée. Oh, ohé, ohé. Robinson Crusoe, c'est bien mieux tiré. Oh, yeah. Ça en est bien mieux tiré. Ah là là. J'aime bien l'effet de lumière avec le briquet. J'en ai marre, je veux rentrer chez moi, je vais être au chaud, nouveau logé.
Ouais, bon, ça va, je la vois, ma base. Ça y est, j'ai encore mis les pieds dans la mare. Enfin, vaut mieux que je mette les pieds dans la mare que dans un piège. Alors, j'allais dire, je reconnais plus. Si. Bon, encore une aventure de fou. Finalement, il manquait un plan. J'en ai récupéré un autre, mais. Puis la prochaine fois, je continuerai le projet fou de la tour. Là. Il va me dire que c'est déjà la première lueur de l'aube. Non, pas déconner. La nuit a à peine commencé. Allez, juste regarder dans ma grande. Ah, j'avais pas fermé la porte, je crois. Là. Bah, je bouffe quelques champignons. Allez hop. Ceux-ci sont comestibles. Je vais pas me priver. Ouais, il y en a encore là. Ah bah voilà, je me fais un festin de roi. Bon allez, je monte dans ma grande cabane. Oula, oui, c'est mon croco qui. Finalement, j'aurais peut-être pas. Putain, il fait peur. J'aurais peut-être pas dû le mettre là parce que. J'aurais dû le positionner de manière à ce qu'on tombe pas, ça aurait été plus malin, mais...